Bonjour mes petites soeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans une nouvelle vidéo beaucoup haul, plus ou moins. Je vais vous montrer les quelques livres que je me suis pris. J'en ai deux que je vais vous montrer qui n'a rien à voir, mais c'est pas grave, je vais vous montrer. Je me suis pris vocabulaire en français. Il a l'air pas mal. Il y a un CD dedans. Là. On verra bien ce que ça donne. J'ai envie d'essayer ça. Comme je reprends mon français. Surtout ma conjugaison qui est très nulle. Voilà. Après, je me suis pris... C'est au magasin. Je vous ai pas dit. Je vous ai pas montré. Bon, ça me... Bibli. Voilà, c'est là que je les ai trouvés. Et du coup, ce livre, je l'ai eu pour 9,95€ au lieu de... Ah bah, celui-ci, il n'y a pas de prix derrière. Je sais pas vous dire. Bon, c'est pas donné ces livres là du coup voilà, ben, je l'ai eu pour 9,95€. Puis je me suis pris celui-là, il est fameux, Le Petit Robert, une édition 2019. En fait je l'avais vu, je l'ai aussi acheté là, je l'ai eu pour 20€ à la place de 35 au magasin. Du coup voilà, en fait j'ai envie de m'en reprendre un, et ici je voudrais bien voir, je sais pas si vous voyez là, il y a une clé USB intégrée avec, hop, hop, voilà, il est juste là, pour voir à quoi votre dictionnaire en ligne, voilà, gratuit, un logiciel Mac pour ne pas faire de faute. Essayez 30 jours. Et du coup, je l'ai eu à 19,95€. Et il en vaut 31,90€. Voilà. Ça vaut la peine quand même. Voilà, comme ça, je suis parée pour mes cours. Après, on va parler de livres, c'est beaucoup mieux. Alors, je vais montrer toujours dans la même... J'ai encore 3 livres qui viennent du même magasin. Je me suis pris celui-ci. Il est très beau, j'aime bien le petit cœur. 36 questions pour savoir si tu aimes. Chez Michel Lafond, Vigic Gran à 4,95€ au lieu de 15,95€. Voilà. Il est un peu sale, par contre, je ne l'avais pas vu. Je n'ai pas vu, j'ai pas lu le... Oh, il y a des petits dessins. Je viens de voir qu'il y a des petits dessins dedans. Ouais, pourquoi pas. Ça fait un peu... Il a l'air pas mal. Je n'ai pas lu la quatrième de couverture. Je vais lire quelques lignes pour voir un petit peu. L'amour peut-il être provoqué tel est la suite de cet étudiant. Laquelle participe India, 18 ans, qui cherche à se lancer un défi. Et Paul, 19 ans, qui n'est là que pour les 4$ qu'il peut empocher. Ils ne se sont jamais vus et doivent se poser 36 questions pour apprendre à se connaître, comme à quoi ressemble la journée parfaite de vous. Si une boule de cristal pouvait vous révéler la vérité, que viendrez-vous en savoir? Ou encore, quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Au fil de leur échange, ils vont apprendre à se connaître et découvrir leurs secrets douloureux que chacun essaie de garder profondément. Ouais, cela finira qu'il fait scène de sentiments. 2 étoiles, 2 secrets, 36 questions pour tomber amoureux. Voilà. Il me tentait bien. En plus, j'aime bien la quatrième de couverture. Je pense que je vais le lire au moment de la Saint-Valentin. Après, j'avais vu beaucoup de personnes qui lisaient celui-là et qui disaient qu'il était vraiment pas mal, mais je ne sais plus non plus. Je vous montre. Voilà. L'autobiographie de chez New Roman ou New Way
Christina Laurent. Il en valait 17 et moi je l'ai payé à 4,95. Voilà. C'est quand même un beau bébé. Voilà, je sais pas combien de pages. 400? Ouais. Un peu moins. 397. Quoi, presque 400 quoi. Il est beau, j'aime bien. Je ne sais pas non plus lorsque la famille de Tana Scott quitte la Californie pour le plus traditionnel état de l'Utah. Le jeune homme se rend évidemment, il va falloir entrer dans les placards des nouveaux. Après tout, il ne reste plus qu'un sermette à tirer avant de libérer, comprendre, fuir ce patelin dès que l'est possible. C'est alors que la meilleure amie Tonum lui lance un défi. Le prestigé séminaire de Provo, j'ai les noms parfois, un programme où les étudiants ont 4 mois pour redéfier un roman chargé d'accepter, de changer, accepter. Ne pas regretter nos choix, il ne lui a fallu que quelques secondes pour réfléchir. Ouais, je pense qu'il va être bien, mais voilà. C'est vraiment la quatrième de couverture, je ne lis pas souvent. J'ai déjà entendu, il me plaît bien. Ça a l'air petit quand même comme lecture. Ça me fait un peu bête. Bon, celui-là, j'ai montré. Et puis celui-là, la couverture me donnait bien envie. J'ai même pas vu. Il vaut 17 euros de base. C'est La fille de l'océan de Alexis Auberque. Deux destins croisés se terminent un terrible secret. Il est beau la couverture. Pour ceux qui n'aiment pas l'océan, c'est pas le top. En fait, il est à 16,15 avec l'étiquette Les filles de l'océan. Je sais pas d'où il vient, mais le livre en lui-même vaut 17 et l'étiquette d'un magasin vaut 16,15. Et moi, j'ai payé 4,95. Du coup, au début de l'été, Jason enregistré au nerveux des gardes-côtes. Enfin, il va enchanter Barbara, sauver à l'occasion une jeune femme, Vicky, lorsque la chanteuse célèbre connue pour ses francasques et ses vies désirées, mais je sens. Il va avoir un truc, je ne sais pas. Je n'avais pas envie de lire. Non. Écrit, je sais pas, je regarde la petite phrase. Après le succès de La fille de la plage. Moi, oh, non, c'est pas de. Il me tente bien. Et jamais la couverture un peu touche là. Après, je vais vous montrer. Je me suis pris. Ça vient de chez notre magasin, ça. Chez Molière. Je me suis pris le tome 2 et le tome 3 de L'atelier des sorciers. Voilà, je viens de lire le tome 1, du coup j'ai pris les deux, comme ça c'est fait. Hop, là aussi j'en ai deux. Je me suis pris Heartstopper 2 et Heartstopper 3, comme ça aussi je suis parée. Ça c'est un roman, enfin un MM, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Ça veut dire relaxant pour garçon. Et bon, écoute. À parler, j'ai soif. Voilà. Après, j'ai été à Paradisa et je me suis trouvé un petit livre. Le club des ours polaires. Voilà. Ça a l'air pas mal. Il y a des petits dessins dedans. Comme ceci. Vous allez vraiment bien voir. Voilà. Je n'ai même pas. Dans la lignée de La croisée du monde et Le monde de Narnia.
une grande aventure dans les nuits vertes magnifiques, une quête captivante, le premier tome d'une trilogie. Voilà. Par contre, je sais plus, je l'ai payé combien. Je crois que j'avais mis... J'ai payé 7,80. Après, je me suis pris la petite fauseuse de livres, le tome 2. Voilà. Je viens de lire le 3, le 1. Du coup, je tente bien de me faire ça aussi. Après, j'ai reçu par mon amie Mariette. On attend Doc. Doc. Il est très beau aussi. J'ai même pas lu la couverture. Elle l'avait mis comme ça sur Vinted. Elle me dit oh, j'ai mis un petit cœur. Et elle me l'a proposé. Elle me dit ça t'intéresse? J'ai dit bah oui, pourquoi pas. Mais j'avais pas vu la quatrième de couverture. Et la petite phrase, il a un look d'enfer, un caractère bien à lui, et il est fan de Jennifer Aniston. Notre doc, vous allez l'adorer. Voilà, la petite phrase de... C'était France Loisir, Marc Mille. Voilà. Après, il n'en reste plus beaucoup, j'ai presque terminé. J'ai pris ceci. Par contre, je ne prononce pas le mot, le titre. Bernsteinbach. Voilà. Il me tentait bien. C'est un peu un roman. C'est du Hugo Poche. Par l'autre. Non, ça c'est l'auteur. Quand la musique transforme les flûtes et éclaire son âme. Ça a l'air pas mal, c'est un peu un roman, enfin, de l'historique, si j'ai bien compris. La première fois que je rencontre Jasmine Grain, elle apparaît comme une goutte de pluie. Elle était ce musicien maladroit et elle était la reine du lycée. Nous avons rien en commun. Normie, notre lycée, non, notre musique et notre solitude. Quelque chose dans son regard me disent que son sourire n'est pas toujours authentique. Authentique. Quelque chose dans sa voix me donne un espoir que j'avais toujours souhaité trouver. Puis un de ses clairs, elle disparaît. Des années plus tard, elle se tentait face à moi dans une rue de la Nouvelle-Orléans. Elle avait changé, moi aussi. Une vie nous avait rendus plus forts, plus durs, plus solitaires, plus fermés. Nous étions plus de même, mais c'est franchement d'être prisé, reconnu la tristesse qui mène en elle à présenter qu'elle est revenue. Je ne reconnaîtrais peut-être l'erreur de la laisser partir. Alors nous nous retrouvons, je deviens son ombre le plus sombre. Voilà, son ombre le plus sombre. Je sais pas, ça a l'air pas mal. Après, je me suis pris 40 jours. Je compterai pour toi. Voilà. Celui-là aussi, je l'attendais en poche. Il était sorti en grand format, mais j'attendais pour qu'il soit un peu moins cher. Et en petit, j'aime mieux en petit. Ça fait des belles couleurs dans la bibliothèque avec les tranches. Voilà, j'avais lu le résumé, mais je ne sais plus est-ce que je le lis où elle est. 1, 2, 3. Chaque matin, puisque qu'elle a rencontré Snake, inscrit à nouveau des chiffres dans sa paume. Elle compte
a rebooté et lancé comme le fruit. Inéconcable du temps qu'elle trouve pour maîtriser. Oh, je sais plus parler. 15, 16, 17. Berk souhaite pouvoir retenir les jours qui filent pour profiter des sentiments qui refont enfin surface. Mais elle le sait, son cœur ne sait jamais de compter. 47, 48, 49, alors qu'elle sait pas, je l'aime plus que 49 jours. Fera-t-il celui qui libérera son cœur? Ce livre fera. Voilà. En fait, c'est une histoire d'amour. En 49 jours. Je sais pas, ça a l'air petit par contre à l'écriture. Voilà. Et le dernier, ça change de mes d'habitude. Le faiseuse de rêve au Pulp Fiction, que j'ai pris en petit parce que je sais pas en grand il est en quoi. Moi j'ai pris en Pulp Fiction pour l'avoir en petit. Et Lintin Taillon Lor. Voilà, il est beau aussi. Je ne sais pas non plus, j'ai pas envie de lire celui-là. J'ai pas envie parce que moi je me plongerai pas dedans. C'est un peu plus fantastique, il me semble. Voilà. Enchanté. Ouais, c'est un peu plus de fantastique. Un roman doux, imaginaire, énergique. Voilà. Du coup, j'ai pas envie de me plonger dans la quatrième de couverture. Parce que moi, je ne lirai pas. Voilà. Je sors de ma zone de confort, du coup. Et en plus, c'est encore plus petit que celui que je vous ai montré. Hein. Ça me fait vraiment... Voilà. Ben, je vous ai tout montré. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, moi, je vous laisse là. Et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, des commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de partager avec vos amis, vos familles, tous ceux que vous voulez. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.